Et bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce 7ème épisode du Let's Play Mario Galaxy, premier du nom. Et on reprend, on s'était quitté à cette galaxie-là. Alors là c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Et il en reste deux ici. J'avais fait une étoile secrète la dernière fois, sans vraiment le savoir, normal. Justement, l'étoile secrète, des fois on les trouve par hasard. C'est pour ça que c'est secret, quoi. Mais on peut y aller. C'est reparti. Je vais juste prendre ça ici. Je fais plein de fragments, ça sera utile pour plus tard. Ouh. Ça a été beau celui-là. Et c'est parti. Voilà. Hé, hey, toi aussi tu veux l'étoile, alors fais la course avec moi. Une seconde. Quand tu veux, bitch. Pourquoi j'ai pas le droit à un casque, moi? Moi aussi j'ai un casque. Alors là, faut pas que je croise les jambes, ce serait embêtant. J'ai fail. Non, j'ai fail là. Faut que je peux pas abandonner. Je peux pas abandonner. Hey. Quoi, ça arnaque? Impossibilité d'abandon, c'est quoi ça? Il va faire comme ça. Allez, suicide. Voilà. Parfait. Désolé pour ce fail. Hein. Oui, oui. Et j'ai le OK, c'est génial. Ça, c'est dangereux, ça. Voilà. Et voilà. Oh, 1 minute tout pile, j'ai fait. Ah, 1 minute et 20 centièmes. J'étais là. Là, c'est étoile. Oh, une là. Non, je préfère les dos. Quand il y a deux, tu fais dodo. Cette blague est pourrie. Là, je vais me taire. Yeah.
Ok. Et je pense qu'on va bientôt. Alors, mais une étoile secrète, mais est-ce qu'il dit où? Excuse, hein, si je vais là et puis que je dois revenir après, ce sera pas mal. Yep. Alors, il y a quelque chose d'autre dans le coin. Hein. Mm-hmm. À tous les coups, il y a une grotte quelque part qu'il faut détruire. Un coffre. Ah, ok. Partir un petit coup en haut. Attends, je vais complètement. Founel. Rien par là, d'accord, dommage. Je suis quasiment... Ah, attendez, voilà, il y a un fragment là. Comme vous pouvez casser quelque chose. Ah non. J'ai pourtant cru. Mais là, où est-ce qu'elle est, cette étoile cachée? Ah, une bulle, merci. Ok. Allez, t'es lent Mario, tu le sais ça. Où est-ce que ça pourrait être? Ah, je crois savoir, je crois me rappeler maintenant. Je crois me rappeler. Et ben voilà. Ça y est. Je me rappelle. Oh, j'ai une musique. Parce qu'avec un peu plus d'élan. Il dit un peu plus d'élan, j'ai dit. Ah! Il était presque. 1, 2, 3. Parfait. Et Mario Glass. Il va mettre d'eau, faire de la patinoire, hein, et de geler tout ce qui est d'eau. Même les cascades, hein, ça choque personne. Ça ne choque personne. Ok, ça me fait rien.
ça ne fait pas de dégâts, lol. Allez. Vous avez tous compris qu'est-ce qu'il faut faire. Même en speedrun, il faut faire comme ça. Non. Bien. Voyez, quand on veut, on peut. Mais je voulais pas. Je l'exige. Voilà. Allez, plus vite. Plus vite, plus vite. Plus vite. Je me lève parce qu'il y a des gens qui entrent dans ma chambre, qui effènent pas la porte. J'ai oublié de le faire moi-même. Vraiment que mes écouteurs sont bien longs. Ah, c'est ça. C'est humain. Le chef des fantômes. Yes. Et voilà, c'est ça. En effet, il y a beaucoup de débris. Ah tiens, c'est complètement différent là, Kodab. This is a fail. J'en étais sûr. Ah ok. Oh non, c'est pas ce que je pense quand même. Ok, c'est là. Bon, il aurait fait les 4. Voilà. J'espère pas que c'est le boss que je pense. Ah merde. Il y a un boss. Je l'aime pas du tout. Surtout parce qu'il existe aussi en une seule vie. Hein. Voilà. Ne pas lâcher, hein, ne pas lâcher, hein, ne pas lâcher. Hein. Et un petit. You. Yeah.
Parfait. Dites-moi que c'est pas ce boss. Dites-moi que c'est pas ce boss. Dites-moi que c'est pas ce boss. C'est le boss, ça? Oh. Oh non, c'est ce boss, non. Toi, passe-moi tes fragments. À la boutique, oui, pour ton fragment. Échanger. Énergie. Miam miam. Le problème, c'est que ce boss qui va suivre. Le problème, c'est qu'il existe en justement avec la comète blanche, si je me souviens bien, qui est celle du, qui est celle de la vie. C'est-à-dire qu'on a une seule vie. Et moi j'ai mis du temps à le battre. Bon, c'était il y a plusieurs années, mais j'ai mis du temps à le battre. J'ai peur. Ouais, je peux en prendre deux à la fois. Bon, vous voyez, au début, c'est pas trop difficile, on peut se dire. Maintenant, il passe à la phase numéro 2. Ah, des mains. Un remain de pierre. Ah, une pièce. Ça, c'est très dangereux, ça, voyez. Je pense que vous comprenez pourquoi. Aïe, ça, ça me prend un dégât, je sais pas comment. J'aurais ça, lui mettre un dégât au milieu. C'est souvent pour ça que je me faisais tuer dans... Bon, il est mort. Bon, ça va, il est pas trop trop compliqué. Et puis j'avais plus de mal. Évidemment... On gère moins. Bon, celui-là sera à refaire avec la comète. Hein. Là, j'ai déjà peur. En plus, je parie qu'il va arriver là directement maintenant. Dès que je remonte. Et je vais devoir le refaire tout de suite. Saleté de comète. Allez. Ah non, il y est pas encore. Eh ben, vu qu'on n'a plus rien à faire, on va aller là. On a juste 16 étoiles de plus que ce qu'il nous demande. Passons au boss. On sera exactement au tiers de l'aventure. C'est-à-dire qu'on aura environ 10 épisodes. Je pense qu'on aura une vingtaine d'épisodes de Mario Galaxy 1. Environ. À cette vitesse-là, je pense que ce sera environ ça, ouais. Allez, plus vite.
Plus vite, plus vite, plus vite. Yes! Comment ça, des ennemis? Au revoir. Je l'ai écrasé en arrivant. Classe. Ouais, non, je vais pas le prendre. Même je sais qu'il y aura un boss. Et voilà le bobo. Tu es vraiment incroyable, puisque c'est comme ça que je vais m'occuper de ton cas personnellement. Tu es la grande étoile, il faudrait m'apprendre de force. Pardon? Aïe, aïe, aïe. Ah non, tout juste pas. Ah. Ouf, des pièces, des pièces. Ah. C'est la guerre, au secours! C'est bon, t'as ton compte? Oui. Oh. Et Baby Bowser s'envole vers notre cieux! Et voilà la photo! Et hop, j'ai à peine attendu. Yum. Master Étoile, bitch! Master Stars. J'ai reçu une lettre, ça c'est quoi? Réponse entrave? C'est quoi ça? Qui... Une lettre avec rien écrit dessus, enfin ou presque. Et oui, je joue mon courrier pendant pleine vidéo et. Voilà quoi, hein. Je fais ce que je veux. Et on a ouvert un, à la chambre. J'ai trouvé l'étoile d'une hop, galaxie complète. D'accord, dégage. D'accord, d'accord. Une nouvelle galaxie. Blablabla. Oula, 5. Un nouveau chapitre. C'est quoi ce machin? Mais grâce à des amis, tous les dômes d'étage inférieur sont accessibles. Qu'est-ce que c'est? Ah, facture de téléphone. Ah non, c'est truc de carte. Vous en foutez complètement, je sais, hein, mais voilà quoi. Voilà. Ainsi, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers où t'as dans celle qui t'est chère. Blablabla. Et je vois une météorite blanche, enfin une. Je vois qu'il y a quelque chose là. Ah. Un coup de téléphone? Tu as reçu une lettre de la princesse Peach. Oui, je les prends.
Non merci. La princesse me fait un cadeau, je m'en fous complètement. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas encore d'étoile de Luigi. T'as quelque chose à me dire? Salut grand frère, tu cherches tes super étoiles, pas vrai, je peux qu'on descende, pour qu'on descende mon aide. Vous avez échappé, sauf si j'en trouve une, je t'enverrai une lettre. D'accord. Il manque encore de trucs. Vous voyez, là, il y a le dernier, un nouveau truc arrivé. Et on va juste aller lire un livre. Oh. Let us begin. Il est gros ton livre. Hein. Alors. La maison. Oh. Ici sera la cuisine et la bibliothèque, et par là, la salle de jeu des affiliés. Attends, ça fait en ça et là. Où est-ce qu'elle a trouvé ces briques? Juste savoir. Depuis temps, la maison, la plus belle des maisons. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit maire, la fille a travaillé sans relâche. Dans les profondeurs de la glace, la fille avait découvert bien plus que des éclats. Elle a trouvé des outils, des meubles. Pardon? Elle a construit ça? Ce n'est pas un peu grand pour nous deux, bibliothèque, cuisine, c'est vrai. Ça, ni papa, ni frère, ni mon petit frère sont là, ni maman. Une voix basse qui sentait presque inaudible. Disais-moi, cette maison était vraiment trop grande pour deux. Je ne rien dire. Ces nuits-là, la fille a dormi dans le vaisseau. C'est en très fort qu'on a pas trouvé son lapin en peluche. Ah, c'est tout. Petit chapitre. Eh bien. Oui, parce que j'ai vu une comète par là. Et devinez où est-ce qu'elle est? Moi, je sais. Ah, quelle surprise. Ok, les déboires vont commencer. En plus, c'est 28 minutes, j'aurais pas dû le faire maintenant. Allez. Vous voyez, il n'y a même pas de gonflume à... Bon, on n'a pas eu assez. Allez, c'est parti. J'ai peur. Je me gratte l'épaule. Ça, c'est ce qui me la première cause de perte dans ce boss. Dieu que c'est beau, c'est pour réussir à mourir avant le jeu, avant le boss. Ça aurait été bien moche. Voilà, phase 1, finish. Non, les mains. Salut Rayman. Si je l'expose les mains, ce sera plus facile.
Ah, ta gueule. Allez. Oui. Au deuxième coup. Headshot, bitches. Et 41. J'aime pas ce nom. 42 et 43, c'est le meilleur. Voilà. Pourquoi je suis ramené ici? Pas de seconde chance. Ah. Tu as reçu une aide de Luigi. Je suis coincé, au secours. Ah, je trouve cet endroit. Ok. Ok, ok. Oui, je sauvegarde. Donc voilà, bah là, si jamais Luigi bah, il se trouve. Ah, il faut que je le fais maintenant. C'est tellement rapide que je vais le faire maintenant. Et voilà à quelle vitesse hein, c'est faisable. Ah, il y a une comète là. L'après plus tard. Plus tard, plus tard. Allez, dépêche-toi. C'est une des toiles les plus faciles à avoir dans celle de Luigi. Vous voyez où il est? Voilà, j'ai juste un peu galéré. Tu es encore venu me sauver? T'es à 3 mètres du début, comment est-ce que... T'es con? Super toile. Voilà, vous voyez, hop, 30 secondes de jeu, pas plus. C'est dire, ouais, Luigi, il est con, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, Luigi est con. Ouais. Nouvelle galaxie, oh. Si je le voulais, je pourrais déjà aller au boss de, au dernier boss, quoi. Enfin, au boss de... La prochaine galaxie. Du prochaine galaxie. Normal. Donc c'est fini. Oui, il reste deux. Il y en a un là à la chambre. Il y en a un peu plus haut là-bas. Et ensuite il y aura le final boss. House. Donc je vais vous laisser là. Donc et au revoir tout le monde. Ciao, bitch.